Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des déballeurs épiques. Bonjour Cinéphile. Bonjour Doc. Et cette semaine, on vous a promis, on fait donc le let's play d'un jeu vidéo. Oui, vous voyez sur lequel on y est, on est sur Just Cause. Donc par Eidos Avalanche Studio. Voilà, donc à pas confondre avec. C'est pas plutôt Avalanche et ben, le groupe c'est Avalanche Studio. Ouais, je crois, je sais plus. donc je revérifierai ça. Donc, en tout cas, bienvenue à vous. On va donc du coup jouer ce jeu-là. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce que c'est? On va découvrir ensemble. Oui, mais, c'est un monde ouvert, un peu style de GTA, mais avec des quêtes. Il y a des quêtes principales, des quêtes secondaires, comme beaucoup dans ces jeux-là. Très grand. Bah, surtout pour l'époque, c'est quand même, il date de 2006, il était sorti sur PS2, sur PC aussi. À l'époque, pour moi, c'était l'un des jeux avec les plus grandes maps. Ça fait partie des jeux avec les plus grandes maps, ouais, même pendant très longtemps. Écoute, je te laisse l'honneur de commencer. Ah bah merci. Rico Rodriguez. Retrouver Sheldon El Rosario. Donc pour l'époque, c'est, franchement... C'est pas Sheldon Cooper, pour ceux qui connaissent. 500 mètres. Ah, ça va être la chute, pour l'époque, c'est... ça va encore... moi, j'ai pas eu la chance de jouer au 1. T'as joué au 1, toi, non? Oui, j'ai joué au 1, j'ai joué au 2, j'ai joué au 3 et j'ai joué au 4. Tu penses qu'ils feront un 5 un jour? J'espère, pour moi, pour ma part, j'espère, mais vu le succès du quête qui n'a pas été fameux, donc j'ai un doute. Et voilà. Aide-moi. Ah, c'est vrai que... Attendez, je sais même plus comment on y joue. Voilà, pour ça. Ah, il y a quand même vraiment une différence entre 1 et 2. Ah oui, ça n'a rien à voir. Hein. À l'époque, moi, quand j'avais découvert ce jeu-là, donc j'avais envie de l'acheter. Je suis parti de chez Micromania, mais je ne savais plus le nom du jeu. Donc du coup, j'ai expliqué au vendeur un peu ce que c'était. Et en fait, il m'a vendu une charte. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Et du coup, je suis retourné le voir et tout. Et gentiment, le gars, il m'a rempli le jeu. Ouais, il était cool. Ouais, ça a été cool. Il a été cool. Il a été cool. Il a été cool. C'est ça. Donc, non, très sympa. Un grand merci à Micromania. À les potes, ouais. Ouais, qui a fermé d'ailleurs depuis... Ouais, enfin, il y a des Micromania confirmés, il n'y a pas tout ça. Hein. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, les Micromania, c'est difficile. Hein, Ouais, c'est très difficile. Okay. Maintenant, on gueule par rapport au graphisme. Mais on devrait même pas. Il part ou quoi? C'est bizarre. Moi, il est parti direct. Hé, hey, reprends cette arme. Je crois qu'il peut être une arme. Non, c'est... moi, j'ai pas fait ça. Non, je pense qu'il y a un bug. Vas-y, tu vois. Eh, ça commence bien. Normalement, il est dedans. C'est marrant parce que Just Cause, je trouve parfois... Alors, j'ai toujours trouvé des missions qui étaient mal jaugées en termes de suivi. Ah ouais, non, ça a toujours été le cas. Hein. C'est parfois, soit trop simple, soit trop dur. T'as pas un juste milieu, en fait. Ça, c'est marrant pour un jeu que c'est pas Juste Cause. Ouais, non, mais là, ouais. Et il y a, je sais pas si t'es au courant, il y a un projet de film. Ouais. Putain, ça va péter partout. Hein. Ouais, et pour l'instant, c'est que des rumeurs, mais ce serait Jason Momoa qui ferait rire. Ah, déjà, t'es permis tout le monde. Ouais. Moi, je me souviens que je rentrais dans les bases militaires. Et à l'entrée de la base militaire, tu sais que t'as celui qui l'a maîtrisé. Ouais. Et du coup, moi, je me décrochais et je partais avec la mitraillette, je faisais ça. Tout dans la base. Et c'était... Ouais, dans le dos, c'était. C'est, ça a toujours été impressionnant pour ça, les Just Cause. Ouais. Franchement, il y avait un boulot de fou dessus. Bon, voilà, on présente GTA 6, les gars. En 2006. Ouais, chacun son GTA. Moi, j'adore le 4, mais. Oh la vache! Ah oui, je me souviens de ça. Du coup, voilà. Donc, MV, c'est ton pote. Ouais, ça, c'était le véhicule en fait. A few moments later. Oui, on va sauvegarder, on sait jamais.
Oui. Formatage de la carte mémoire. Ça, c'était quelque chose. En fait, on ne pouvait pas enregistrer son jeu comme on le fait maintenant dans la console, parce qu'il n'y avait pas de logiciel dans la console. Enfin, il y avait un logiciel, mais en fait, les sauvegardes se faisaient sur une carte mémoire, sur une petite carte qu'on insérait sur la console. Un peu comme sur la nouvelle Xbox où on met une carte SSD derrière. Par contre, ça, c'était pareil. Les sauvegardes, ça mettait ça du mettait temps. Du temps ouais. Je me souviens que c'était pas. Alors que maintenant, tu sauvegardes, boum, c'est bon. Oui. Les premiers GTA en 3D pour sauvegarder, c'est pareil, ça mettait du temps à sauvegarder. Ah oui, je me souviens. Hein. Mmh. Oui. Et là, j'ai toujours pas sauvegardé. Toujours pas, parce que là. Ah oh, ah. Ça allait vite. 11h. Ils savent qu'on a tourné la vidéo. Voilà. Vous pouvez la prison du fort, faut qu'on aille à la prison du fort. Oh, une moto. Tout ce que t'adores. Je ne dirai pas pourquoi. Peut-être un jour, si on a un GTA déballé, ouais. J'ai toujours trouvé ce genre de véhicule très dangereux parce qu'au moindre obstacle, tu voles. Il faut vraiment avoir une très bonne conduite. Est-ce que ça existait, ça? Alors ça, c'était pareil. À l'époque, dans les jeux vidéo, il n'y avait pas de GPS. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'était à vous de vous guider vous-même. Ouais, c'était à vous utiliser la main. Il me fait penser un peu à Driver en termes de pixelisation. Ouais. C'est pas faux. Surtout le 3. Oui. Le 3 qui est sorti... Plus par rapport au 2. Driver 2. Ah non, le 3 était vachement pixelisé. Je trouvais que... pendant très j'ai, pas, j'ai pas trop joué. Oui, je l'ai d'ailleurs, j'ai retenté de jouer à Driver 1, mais j'ai apparu sur une il est considéré comme un des digitaliers les plus difficiles. Oui, bah oui, ça l'est toujours. Oh là... La direction est toujours... Vrai, c'est qu'on a un grimpin dans le jeu aussi. Oui, et ça, ce qui faisait la particularité du score. Genre. Ouais, c'est... Mais on l'a pas dès le début du jeu, il fallait avancer un petit peu. Bah, il me semble qu'ils aient parlé de grimpin tout à l'heure. Oui, mais... c'est de me guider. Voilà, bah, à peine tu freines, t'as l'impression de faire un frein à main. Alors que t'es en moto. Waouh! En tout cas, l'atterrissage! Nickel! Ça, faut le garder par contre! Bon, on va sauter, on va voir. L'avantage du jeu vidéo de l'époque. Voilà! T'avais des cheats. Rappelez-moi plus fort, bande de. La Volti Sedan Patrol Compact. Et hop, je mets la sirène. Au cas où on n'est pas reconnu non plus. Il y a quand même au loin cet endroit où on doit y aller. J'ai pas trop gaffe. Oui, t'as vraiment des petites flèches qui pointent là où on doit aller. Ça t'a démerdé. Ah, pour trouver la route. Ouais, les mecs sont un peu dedans. Ouais, c'est pas comme dans GTA où ils sortent et ils te tirent dessus dans les derniers. Ah ouais, et ils étaient forts pour l'époque. Ok. Il se rabaisse quand je passe. Oh la vache. C'est tellement drôle. Donc si vous aussi, vous voulez suivre la chaîne du coup des déballeurs épiques, n'hésitez pas à vous abonner, là en bas d'écran, ça défile. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Voilà, vraiment... faites bouger notre communauté. On est sur Discord, on est sur Instagram, on est sur X. C'est bizarre de dire X. Ah oui, X maintenant. On est sur Instagram et Facebook. Suivez-nous, ça nous fait vraiment plaisir. On est très heureux. Voilà, la chaîne monte grâce à vous. Ouais. Merci de vos retours pour la première vidéo des valeurs éthiques. On a déballé plein de choses. On a gardé le meilleur à l'écran. Oui. Mais il y en avait beaucoup plus que ce que. Beaucoup. T'as fait la banane de plus. Ah voilà, c'est. Ça a pas de prix. C'est ça. Mais. Non. Moi, je vais pas dire le reste, mais. Ouais, non, mais je me méfie de toi, parce que je te connais très bien. Tu peux te méfier de moi, il y a aucun souci. Il y a qu'une seule personne qui comprendra ça. Voilà. Approximativement 10 heures plus tard.
Comment dire que c'est le dawa voilà, Just Cause, c'est ça. Et là, tu fous une bombe là-dedans. Une quoi? C'est 2000. Just Cause sur PS2, oui. Oui, c'est ce que j'ai dit. PS6. Ah oui, non, en 2006. 2006. J'ai dit PS2 en 2006. Vous voyez comme il suit, comme d'habitude. Just Cause, voilà, que vous avez avec Mana. Ouais. Albert. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. Bah, dites-nous si vous avez aimé notre vidéo, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la critique DVD. C'est ça. Sur, donc... Une nuit en enfer. Voilà, donc on va s'entrever là-dessus. Comme d'habitude, commentez, likez, partagez cette chaîne. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On y est aussi, on partage les choses, on a des photos des coulisses et tout, etc. Ouais. Plein de choses à voir et à regarder. Plein de belles choses. Merci Cinéphile. Ben, merci Doc. Et le mot de la fin, comme d'habitude. On déballe, on n'a pas peur des cartons. Allez, salut les geeks. Ciao.